supporter inconditionnel de l'Olympique Lyon et grand fan du basket NBA, Sébastien est membre éminent du team des experts du foot. Sébastien rêve d'un titre européen pour l'Olympique Lyonnais. Sport Actu. Plongé dans l'univers du sport. Radio Pluriel 91.5. Objectif week-end. Sport. Direct. Et oui, les amis, Sébastien. Salut Sébastien. Salut, Samy. Bah oui, effectivement, on est complètement plongé dans l'univers du sport. Entre le match de l'OL, celui de la semaine en ce moment en direct, ouais. Et en train de suivre en parallèle. Effectivement, le dimanche est bien animé encore ce week-end. Et la nuit aussi, puisque tu t'occupes de parlant-ballant au pluriel. Et le week-end, speaker du stade Belmont. Eh oui, et puis donc hier, un petit peu compliqué, parce que le brouillard, la brume, la célèbre brume lyonnaise, connue bien sûr dans toute la littérature locale, a fait des siennes hier et on a dû donc annuler le match entre Lyon et Duchère et l'Olympique Lyonnais, la réserve de l'Olympique Lyonnais pour cette grosse affiche derby 100% lyonnais de la Nationale 2. Donc sans doute reporté dans quelques jours. Mais bon, entre l'OL là qui est en train de mener en ce moment et l'ASVEL qui a repris l'avantage contre le maintien en direct live, et ben effectivement le week-end continue tambour battant. Écoute Samy, voilà. National masculine 3, poule A, 13e journée. L'équipe de Saint-Priest s'est déplacée samedi soir du côté de Monaco. Et les Sampriaux ont remporté leur match sous le score de 68-61. L'équipe de Chambéry, deuxième, a remporté ce match face à Montan sous le score de 51-41. Au classement, donc, Saint-Priest carte en plein. 13 matchs, 13 victoires. Deuxième, Chambéry. Donc, Saint-Priest, 26 points. Chambéry, 25 points. Troisième, Monaco, 22 points. L'équipe de Vaulx-en-Velin occupe la 8e place avec 18 points. Mézieux, 11e avec 15 points. Et le Clar Lyon Basket, lanterne rouge, avec 15 petits points. Sébastien. Oui, effectivement, cette poule de National 2 qui... National 3 qui est en train de petit à petit rendre son verdict dans un mano à mano qui risque de se profiler, enfin qui voilà concrètement se profile entre Saint-Priest et Chambéry. Les choses vont se jouer dans cette jusqu'au printemps 2022 et quelques matchs haletants et on verra effectivement pour cette accession en National 2. En tout cas, ça précède bien parti. On verra la suite, Sabine. Mais tu as raison de mettre un petit peu l'accent aussi sur ces championnats un petit peu en dessous. Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin beaucoup de soutien des supporters. Tu sais que les buvettes ne sont pas ouvertes. Donc, il s'agit vraiment de soutenir les clubs amateurs de la région lyonnaise. National masculine 1, poule B, 18e journée, Lyonceau Basket a battu l'équipe de Pontcherry sur le score de 74-63. Le leader Caen a été battu à domicile par l'équipe de Chartres sur le score de 93-86. Donc Caen est toujours leader avec 32 points, deuxième Chartres 30 points. Troisième, Le Havre, 29 points. Lyonceau, quatrième avec 28 points. Et Pontcherry, 11e avec 23 points. Voilà aussi la poule B de la nationale masculine 1. Elle est pas mal aussi. Il y a pas mal de... Ah oui, là, on est vraiment tout proche du haut niveau. Hein. C'est-à-dire que là, c'est les accessibles pour la Pro B. Lyonceau, effectivement, a remporté son match, le derby, contre Pontcherry ce week-end. Écoute, je devais assister au match avec un ami, puis finalement, étant en préparation du match qui n'a pas eu lieu entre Lyon et la Duchère, j'avais du travail et l'Olympique Lyonnais, donc j'ai pas pu assister au match. Donc là, j'apprends effectivement la victoire de Lyonceau. Caen a perdu, donc effectivement, tout reste jouable pour cette deuxième partie de saison.
Et on va observer effectivement la deuxième partie avec une formule qui a changé. On y reviendra dans les prochaines émissions pour expliquer tout ça. Mais en tout cas, voilà, encore les équipes lyonnaises en haut de l'affiche avec Lyon sur basket, bien sûr, en National 1. Les basketteurs de la National 1, on peut le dire sans se tromper, hein, la plupart sont professionnels, hein, tout simplement. Professionnels. Bien sûr, ce sont des joueurs professionnels qui ont été dans les centres de formation et qui ont sont des joueurs expérimentés. Il y a énormément aussi de, enfin énormément, un certain nombre d'Américains qui sont là depuis quelques années et qui, comme ça, après la trentaine, passer un peu leur grande carrière en pro B, viennent renforcer les équipes de National 1 et ça donne effectivement voilà un basket d'un excellent niveau. Hein, ça, Pontcherry et Lyonceau sont les représentants en National 1 de la région. Et de la région du Nord en particulier. Championnat Betclic Elite, donc l'élite de l'élite, la crème de la crème. Le match se déroule actuellement sous tes yeux entre Le Mans 3e et Lyon-Villeurbanne. Le match a débuté à 17h. Comment tu peux le présenter à nos auditeurs qui t'écoutent en ce moment? On regarde ça un petit peu en direct, en même temps on commente. C'est un Mano Mano. On voit que l'ASVEL a un petit peu de difficulté depuis quelques matchs maintenant. Elle a remporté le match qu'on avait commenté également en direct la semaine dernière contre Cholet, où elle était menée à la mi-temps et finalement elle a réussi à remporter le morceau. Là, on a l'impression que c'est un petit peu le même scénario contre Le Mans, qui est quand même un club d'équipe classé 3e classement, donc c'est un gros morceau, donc c'est un gros match. Et pour l'instant, l'ASVEL, écoute, mène de 3 points. On verra la fin du match, peut-être pas en direct dans l'émission, mais en tout cas, j'invite les autres à suivre sur le site de l'ALNB tout simplement. Il suffit de s'inscrire, c'est gratuit, pour pouvoir assister au match de Pro A. Et l'ASVEL qui, 2 points d'écart maintenant au moment où je te parle. C'est un match effectivement important parce que l'ASVEL est un petit peu à la traîne dans le championnat, donc il sera important de gagner au moins, de confirmer la victoire du week-end dernier à Cholet. Le coach de Le Mans a comparé Lyon-Villeurbanne. Villeurbanne a une sorte d'Everest. Oui, effectivement, quand on voit la longueur de l'effectif, l'effectif qui est calibré, bien sûr, pour disputer l'Euroleague et en même temps être présent en championnat, donc avec beaucoup de joueurs potentiellement pas loin d'une quinzaine, je dirais, qui sont capables d'être sur la feuille de match, qui en comportent 10 ou 11 selon une compétition. Maintenant, mais je dirais que l'ASVEL a malheureusement connu un certain nombre de blessures, des changements au niveau des Américains aussi dans cette première partie de saison. Le jeune espoir Wanamba qui s'est blessé, qui s'est blessé, donc effectivement, et ça c'est un jeune espoir qui arrivait de Nanterre, effectivement avec le projet de pouvoir rejoindre la NBA dans la draft prochaine ou la suivante. Et n'est pas sur beaucoup phare, n'est pas sur le terrain. Les problèmes aussi qui ont été avec David Leckie, qui avait re-signé, bien sûr, un Américain fidèle, parmi les fidèles de l'ASVEL depuis de nombreuses années, qui avait continué l'aventure avec Villeurbanne, et quelques soucis, il a dû retourner aux États-Unis. Donc tout ça a un petit peu déstabilisé l'équilibre de l'équipe, avec un petit trou d'air avant les fêtes. Bon, là, on va voir un point d'écart. Une défaite au CSKA Moscou, je ne sais pas si je voulais en évoquer. Le sujet suivant. Ouais. Donc, CSKA Moscou, ASVEL, 90-83. Les cartons 23-23, 17-16 en faveur de Moscou, 22-22, troisième carton. Et le match, donc, c'est joué, dernier carton, 28-12 pour Moscou. Oui, sur la fin. L'ASVEL a un petit peu craqué alors qu'elle avait un peu, je reprends le titre du progrès, hein, jouer les yeux dans les yeux avec le CSKA Moscou, épouvantail bien sûr de cette Euroleague. Donc sur 3 cartons et bon un petit peu craqué sur la fin de match, avec un écart minime au final de quelques points simplement. Ça veut dire que l'ASVEL a de la ressource, l'ASVEL doit être capable
dans cette deuxième partie de saison de retrouver un petit peu ses forces avec les blessés qui vont revenir petit à petit. Oui. Et il n'y a pas de raison que Oliver Bannen ne puisse pas, en tout cas, c'est ce qu'on espère, même si une qualification huitième de finale d'Euroleague, enfin dans les huit premiers, pardon, en quart de finale serait exceptionnelle. L'important, c'est de pouvoir la jouer jusqu'au bout de cette saison et de faire espérer un peu à tous les supporters. Bien sûr. Les playoffs et de voilà, tenir la radio, t'as les grosses écuries. Mais il n'y a pas de raison que si l'effectif est au complet, que l'ASVEL ne puisse pas. L'ASVEL est ce soir classé dixième, hein. Voilà, dixième. Donc, à l'affût de ces places qualificatives pour les playoffs. Oui. On va regarder, continuer d'être serein et confiant pour nos Villeurbanais. Ce qui est étonnant, Sébastien, quand on regarde un peu de près les stats pour Moscou ASVEL, au niveau des rebonds, on voit que l'ASVEL a remporté ce match en 34-33. Au niveau des interceptions, 11-5 pour l'ASVEL. Mais le problème, c'est qu'au niveau des fautes personnelles, 27 fautes pour l'ASVEL, 17 seulement pour l'équipe donc de Moscou. Oui, avec Hackett qui a fait un carton plein, je crois, avec plus de 25 points. Qui a été vraiment l'élément inarrêtable, on va dire, pour la défense du Larbanaise. Après, sur l'ensemble des stats, tu as raison de le rappeler, je pense que physiquement, le problème n'est pas physique. Le problème est sans doute d'un petit manque d'expérience, notamment dans le jeu intérieur, je pense, même si le McKenzie a fait un bon match contre le CSKA. Mais malgré tout, c'est vrai que l'Euroleague est une compétition un petit peu différente de NBA où, on va dire, ça court énormément, où le jeu, les points, enfin voilà, les points sont, les matchs sont souvent au-delà de 110, 120 points. L'Euroleague est un peu plus défensive, donc pour ça, il faut un jeu intérieur un peu expérimenté. Donc, sans doute à Villeurbanne, pour pouvoir rivaliser avec les très très grosses écuries de cette compétition, mais enfin à chaque fois on n'est pas loin. Donc la paire Okobo Jones avec William Howard qui n'a pas joué contre le CSKA et je pense qu'il a cruellement manqué aux Villeurbanais a vraiment beaucoup d'atouts à jouer dans cette deuxième partie de saison. La semaine qui arrive sera semaine cruciale en Euroleague puisque l'ASVEL jouera deux fois à domicile. Mardi 18 janvier à partir de 20h avec la réception de Monaco, le voisin de la Betclic Elite. Monaco, ils sont 12e, ils vont pas venir faire du tourisme à Villeurbanne. Et vendredi, ça sera aussi ASVEL, Étoile Rouge de Belgrade, 14e. Un match aussi très important pour les Villeurbannais, puisqu'ils jouent tout simplement à la qualif, hein, monter dans le classement pour atteindre les playoffs. Ouais, deux énormes affiches avec, bien sûr, un Mike James à Monaco qui brille de mille feux. Il a permis au Monégasque de remporter la victoire au Bayern de Munich sur la dernière rencontre d'Euroleague. Il était absolument exceptionnel. Un joueur, sans doute le meilleur joueur de notre championnat de Betclic Elite. J'ai du mal à prononcer, de proage, c'est difficile. Mais bon, effectivement, les grosses affiches, et puis l'Étoile Rouge de Belgrade, équipe mythique qui va venir bien sûr se déplacer à l'Astrobal. On va voir si on pourra être présent sur ces matchs, mais en tout cas, on va suivre tout ça de très très près. Et effectivement, tu as raison, semaine décisive pour rester dans la course pour la qualification à ces playoffs. Oui. Eurocoupe féminine, Lyon-Villeurbanne n'a pas démérité les filles lyonnaises. Elles ont battu l'équipe donc russe, Nika Siktivkar, sur le score de 76-63. Le match retour aura donc la semaine prochaine, le 20 janvier. Match retour à Villeurbanne. Oui, écoute, on va suivre un petit peu. Je t'avoue que je suis un petit peu sur tous les fronts en ce moment et j'ai pas forcément regardé spécialement le match des filles, mais je suis très heureux. Il va mal ce match. Oui, mais de toute façon, on connaît, puisque effectivement, un petit peu dans l'ombre des garçons, elles font leur petit bonhomme de chemin, si je puis me permettre l'expression, et on va voir effectivement elles sont en capacité de poursuivre un petit peu loin dans cette compétition européenne, on l'espère pour elles.
Sébastien, je te propose de finir donc ce journal avec un événement la semaine prochaine, vendredi. Ce sera le derby olympique lyonnais Saint-Étienne. La particularité de ce derby, ce sera le dernier de la série, hein, puisque Saint-Étienne va descendre en Ligue 2 très probablement. Et donc ce match qui aura lieu du côté de Décines aura un parfum particulier. D'autant plus l'Olympique lyonnais a besoin de points. Dernier derby de la série avant pas mal d'années. Tu as raison de dire un peu les choses, de présenter un petit peu les choses comme ça, et je te remercie de pouvoir me laisser m'exprimer sur le sujet. C'est vraiment on a connu tellement de joie dans ces derbies, et on est tellement heureux quand ils se déroulent dans nos conditions avec des supporters qui se répondent dans les tribunes en chantant. Et l'ambiance qu'on connaît plus depuis maintenant de longues années à cause de la bêtise de certains et peut-être aussi de la gestion en termes de communication un petit peu délétère de certaines présidences. Après, je ne veux pas spécialement accabler un tel ou tel, mais j'aimerais quand même dire que j'ai connu des derbies où on pouvait effectivement recevoir nos voisins stéphanois. Nos amis, souvent aussi, puisque c'est des collègues de boulot, des gens de la famille, des gens qu'on connaît dans sa vie et qui sont soit supporters des Verts, soit supporters de l'Olympique Lyonnais. Et effectivement, je ne sais pas si, j'espère que les Verts vont pouvoir se maintenir, même s'ils ont perdu hier. Effectivement, contre Caen, c'est de plus en plus compliqué pour eux. Sébastien, les stats sont vraiment. Oui. Rigoureuse, hein, 12 points après 20 matchs, les chances seront infimes. Bien sûr, bien évidemment. Mais bon, après, c'est aussi le fruit d'une politique un petit peu désastreuse de la présidence actuelle de Saint-Étienne. Après, il faut dire aussi que le football français souffre d'avoir de grands dirigeants. On a la chance à l'Olympique Lyonnais d'avoir encore le président Aulas, même si je pense que dans son entourage, les choses... ce qu'on a connu récemment avec le départ de Juninho, un petit peu surprise, alors que c'était quand même un petit peu l'enfant du club, et c'est un petit peu surprenant de voir des choses comme ça. Écoute, l'Olympique Lyonnais, mène toujours, pendant que je suis en train de te parler, 1-0 à 3, c'est pas glorieux comme cette affiche qui aura lieu la semaine prochaine au Groupama, ce derby. Voilà, j'ai une pensée pour les supporters. Vendredi prochain, à partir de 21h, hein, donc OL, SSE. Nous ici, on a baptisé ce match The Last Derby. Ouais, écoute, le derby est éternel, tu sais, et c'est aussi comme ça que l'Olympique Lyonnais a pu aussi remporter tous ses titres, parce que la rivalité avec Saint-Étienne a été aussi et doit être source de motivation pour pouvoir toucher le plus haut. Et l'Olympique Lyonnais a un petit peu dépassé l'élève, un peu qui a dépassé le maître, même si pour l'instant cette année c'est pas très brillant. Mais on va dire que cette émulation doit pouvoir aussi jouer pour les Verts. Et on espère que les choses vont aller mieux pour eux, même si la semaine prochaine, pour nous c'est important d'avoir les 3 points, et on va voir pour accueillir ce match contre les Verts. Malheureusement, contre la Duchère, ils ont gagné, enfin, en Coupe de France. Bon, voilà. Et qu'on espère aussi, pourquoi pas. Ils allaient loin en Coupe de France, les Verts. C'est aussi, un petit hommage. La rivalité régionale ne veut pas dire dépasser une ligne de haine envers l'adversaire. Au contraire, notamment nos ennemis préférés que sont les Verts de Saint-Étienne. La victoire se dessine sur un score étriqué face à 3, 1-0. Victoire logique. Oui, 1-0 pour les heures de jeu, là, pour l'instant. 90 plus 2. Une maîtrise, effectivement, un dernier corner conçu en direct avec le... Eh bien, écoute, situation extrêmement chaude. Finalement dégagée, je vois que Joël Malagusto part en contre-attaque. Ça a été chaud, là, sur cette dernière action. Et avec ce dernier rush, et peut-être un deuxième but lyonnais, on va voir. C'est Kiri qui a la balle, tu vois, on commente un petit peu en direct. Ça va sans doute s'arrêter là, au bout de 2 minutes d'arrêt de jeu. Voilà, la victoire de l'Olympique Lyonnais, 3 points dans la besace contre 3. On se quitte au prochain numéro, Samy. Merci Sébastien, à dimanche. De rien, à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.